Bon Dieu pas vous souhaiter sa soumission. Pas Dieu pas guidon. Play good time, on décourage et abandonné. Rete focus. Continue travail. Travail, pas guérancé. Même si vous échouez, réessayez, relevez. Pas suspendre. Son système, yon implanté dans ma ou. Pour faire quoi ou c'est un bien meuble qui tout plein bataille ou. M'gwenan ou tout ça qui positif. Évitez ou tout l'ouga ou gain des destructifs. J'ai mes succès chargés puis qu'on bat pour papier à terre. Bonnet l'île sans perdre du temps, fait tout ça ou gain pour faire. Pas quitter la vie, amène autant qu'au petit bateau. Si ou pas gagner rêve, mon cher ou a quitté bon. Connais que la vie basée sur plusieurs points. C'est ou même qui pour choisir ça qui fort bien. Et si tout, qui caille-t-il ou pour demain. Et après tout, pour ce pas moun qui a bon main. Papa se travail ou a fait, son perte de temps. Doit toujours pour mais pour son quoi, tout ton vivant. Ou qu'a sorti non misère, pas gain l'autre gens. C'est discipline, détermination ou a besoin de changement. Vie sans vision, mais pour qui ou nan lit, sous nan lit sans mission, pas qu'un progrès sans objectif, faut travailler, faut vie actif, faut dire bon Dieu merci pour la vie à l'ibarou, prendre les potes, j'en ai fini pour y'a pas garder un barou, leur tomber à bonne levée, qu'on s'en prépare et rêve, et attend nous, c'est eux-mêmes, même qu'à venir jouer dans bonheur, ou pour l'idée, essayez eux-mêmes pour t'appuyer dans ma lèvre. Pour rester rue, m'vini la guerre poésie, puis ma guerre chef là, dans mes mois, promets qu'elle me fusille, mais pas, man, c'est façon bouger avec Zamé, m'lève rap, man, sans façon pour me dégager l'esprit, contre tout crime. Pour les pommes victimes, c'est une exe. Mais les mangas, mon crazy, mon cap sous-estime, mon zé, mon acte immortalité. Pas parce que c'est. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Belle journée, n'est-ce pas? Ouais, très ensoleillé, effectivement. Donc, cette vidéo, c'est pour apprendre à te connaître, c'est pour nous permettre de mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Mais je m'appelle Gibson Florville, je suis haïtien. Je réside ici à Québec, à Montréal, depuis environ 4 ans, bientôt 5 ans. Je suis un passionné de soccer et aussi du droit. Et effectivement, j'étudie en technique juridique au collège d'Annecy. Et je suis aussi un passionné des films d'enquête policière, des romans policiers. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi en tant qu'auteur? Bon, en tant qu'auteur, j'ai écrit juste un livre qui s'intitule « Quand le passé revient nous hanter ». Dans le passé, j'ai déjà écrit d'autres histoires que j'ai gardées pour moi-même, que je n'ai jamais publiées. J'ai aussi écrit des poèmes, des chants. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'ai été compositeur pour un groupe de chants évangéliques. Finalement, j'ai dû laisser un cap haïtien. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, l'écriture, je vais dire que ça fait une seconde partie de moi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un événement marquant de ta vie? Bon, événement marquant, je me souviens quand, le 12 janvier 2010, quand j'ai assisté au tremblement de terre qui a ravagé mon pays, Haïti. Et ce tremblement de terre avait donné beaucoup de pression et je me souviens comment les gens pleuraient autour de moi. Et j'avais pas de stylo, j'avais pas de cahier à porter pour pouvoir écrire ce qui se passait, mais j'essayais de voir comment je pouvais rapporter ça par écrit. Et non pas pour raconter tel qu'il est ce qui s'est passé, mais pour raconter le côté positif et pour donner un vent nouveau à cette histoire. Qu'est-ce qui t'inspire en général, en tant qu'auteur? En général, ce sont les événements autour de moi qui m'inspirent. Par exemple, on va dire le tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe autour de moi, soit dans mon milieu familial, avec mes amis, ou à l'école, ou dans le milieu politique de mon pays. Donc, toutes ces affaires sont des affaires qui m'inspirent. Et que quand je m'assois, parfois, il y a certains films aussi. Par exemple, il y a le film The Best Man qui m'inspire parfois aussi. Il y a Penser comme un homme. Il y a la série Hawaii Five-Zero. C'est une série qui m'a vraiment beaucoup inspiré pour mon premier livre. Je me souviens que parfois, 1h, 2h, 3h du matin,
je regardais cette série-là, puis je voyais comment se déroule, comment les gens font pour amener le suspense, pour garder le téléspectateur devant son écran pour poursuivre la série. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton premier roman? Mon premier roman, comme j'avais dit tantôt, s'intitule « Quand le passé revient nous hanter ». C'est un petit roman, un mini-roman. C'est presque une nouvelle littéraire. Il y a juste 120 pages. Mais je voulais l'écrire un. Quand je l'ai écrit concis un pour voir la réaction des lecteurs. Est-ce qu'ils vont aimer ma façon d'écrire? Deuxièmement, j'ai vécu au secondaire avec des gens qui n'aiment pas lire. Et je sais que ça va être difficile pour eux de lire un livre de 300-500 pages. Alors j'ai dit, OK, je vais faire en sorte que tout mon tour, je vais écrire ce livre-là petit. Mais je vais essayer de le faire le plus intéressant que possible. C'était quoi ton inspiration pour le livre? Mon inspiration venait en... Tout le contenu du livre venait de comment les gens voient les policiers ici à Montréal. C'est-à-dire que je vais écrire un roman policier où les gens peuvent suivre la vie de policiers pour voir que oh, les policiers sont eux aussi des humains comme nous. Et aussi, j'ai pris les gens de mon entourage, c'est une personnalité de mon entourage, pour écouter dans ce roman-là. Donc, ce roman-là, il y a des choses qui se disent que peut-être que la personne ne l'a pas dit dans la réalité, mais ce sont des choses que la personne pourrait dire dans la réalité. Effectivement, quand les gens lisent, il y a le côté réalisme dans le roman. Il y a le côté réalisme dans le roman qui fait en sorte que les gens peuvent dire « Ah oui, quelqu'un peut effectivement faire ça dans la vraie vie. » Pourrais-tu nous parler un peu de tes projets à venir? Mes projets à venir, je compte sortir d'autres romans, d'autres livres. Actuellement, je travaille sur un livre avec une collègue. On essaie de sortir ça. On ne veut pas se précipiter, on veut prendre notre temps pour que les lecteurs puissent être satisfaits parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les lecteurs. Et en mercredi 18 novembre prochain, 2015, je vais au Palais du Cé. Je vais au Salon du Livre de Montréal. De 18h à 21h, je serai là, je serai présent pour tous ceux qui veulent me poser des questions et parler avec moi de l'écriture ou autre chose. Quels sont certains conseils que tu pourrais donner à tes lecteurs? Mais les conseils que je pourrais donner à mes lecteurs, en grande partie, qui sont des jeunes, parce que c'est eux que je veux atteindre le plus, c'est de ne jamais laisser tomber. J'ai 19 ans. J'ai sorti mon premier roman. Tout le monde va dire, oh, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Sincèrement, quand j'ai fini de faire le lancement, c'était pas extraordinaire pour moi, c'était comme quelque chose comme tout. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé pour, que j'ai été fier. Donc, j'invite tous les jeunes, tout le monde, on n'est jamais trop vieux pour avoir un rêve, de penser à leur rêve et penser toujours à ce qu'ils peuvent apporter de bien ou de bon dans la société. Donc, dans d'autres façons d'agir, il faut que nous essayions d'apporter quelque chose de positif à la société. Parfois, on se dit, oh oui, mais pourquoi? Oh oui, mais une seule personne ne va pas changer le monde. Mais essayons, chaque personne, d'apporter quelque chose de positif à la société, de positif pour nous. Donc, c'est ce que je conseille aux jeunes, de travailler fort pour apporter quelque chose de positif dans le monde et de concrétiser leurs rêves. Merci d'avoir pris ton temps pour cette entrevue. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous pouvez acheter mes livres sur Internet. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, qui est Gipsy Florville, où vous pouvez venir me rejoindre mercredi 18 novembre 2015 au Salon du Livre de Montréal, place Bonaventure, de 18h à 21h. Au revoir. Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le
garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, encore une fois persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.